Coucou Maj, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, alors pour ceux où c'est la première fois sur le live, je m'appelle Antea, je suis cartomancienne. J'ai un site internet qui s'appelle Théa Lune où je propose différents tirages. Ça va très bien et toi? Merci. Merci de poser la question. Voilà. Alors là, je fais du coup un tirage live où je vais essayer de prendre le maximum de personnes. Je peux pas rester plus d'une heure. Mais pour un tirage, il suffit de s'abonner. J'ai besoin de votre prénom, date de naissance et questions précises, s'il vous plaît. Vous pouvez poser vos questions. Par contre, je prends pas de mineurs et pas de questions grossesse et santé sur le live, s'il vous plaît. Bah écoutez, je vais commencer. Donc il suffit d'être abonné, prénom, date de naissance et questions précises, s'il vous plaît, pas de juste amour ou juste avenir. Merci, merci pour les petits cadeaux. Hop, donc on va commencer. Je vais prendre dans l'ordre, pas de doublons, s'il vous plaît. D'accord? Ça sera plus simple. Si c'est pas vous aujourd'hui, ça sera plus tard. Je fais des lives régulièrement. Merci beaucoup pour les petits cadeaux. Alors, c'est Noémie, pardon, du 2403. Est-ce que je vais avoir un logement bientôt, s'il vous plaît? D'accord. Sachez aussi que si je vous ai déjà répondu, il y a moins de 5 semaines à prendre. Il faut toujours prendre la première réponse que je vous ai donnée, d'accord? Merci, merci pour les roses. Est-ce que je vais avoir un logement bientôt? C'est Noémie du 2403. D'accord. Alors ça arrive, Noémie, tu vois, j'ai la carte du changement. J'ai l'impression que tu vas devoir t'éloigner. Si tu trouves ton logement, tu vas devoir t'éloigner, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça arrive. Encore un peu de patience. 2022, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que tu vas trouver. Tu vois, j'ai la carte du changement, donc c'est positif pour toi. Ensuite, Elodie, Didier va-t-il revenir dans ma vie? Alors, je remonte. Elodie du 3008, Didier va-t-il revenir dans ma vie? Alors tu vois, j'ai le passé. J'ai pas. J'ai. Ok. J'ai pas l'impression qu'il va revenir. Hein. Pour l'instant, enfin je sais pas si c'est la meilleure chose pour toi, mais j'ai l'impression quand même que tu vois, il est. Merci beaucoup pour les cadeaux. J'ai l'impression qu'il a pas été tout à fait honnête avec toi en fait. Du coup que ça a brisé quelque chose. En tout cas, il est toujours. Il est toujours à regarder ce que tu fais, etc. Je pense qu'il t'a pas oublié en tout cas. Voilà, il le dit. Alors, j'ai Yvonne du 0205. Est-ce que ça va se concrétiser avec Jérôme? Alors. Désolée pour les bruits de cartes. Je sais que c'est pas très agréable. Pour l'instant, on ne veut pas me donner la réponse, Yvonne. Alors, si.
J'ai l'impression que ça va se concrétiser, en effet. Je sais pas si tu l'as vu ou tu vas le voir dans une fête ou dans une, tu vois, dans une réception. Mais j'ai l'impression que ça va se faire. Ça va évoluer positivement. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Tu vois peut-être pas les cartes. J'ai l'impression que ça va se faire, Yvonne, d'accord? En tout cas, tes cartes sont quand même positives. Donc je sais pas si tu l'as vu à une soirée ou une fête ou à une réception, mais j'ai l'impression que ça va se concrétiser en tout cas. Safa du 2303, es-tu sincère avec moi, Youssef? Moi, j'ai l'impression que oui, Safa. En tout cas, la carte est positive. Ouais, moi, j'ai l'impression que oui. Hein. Moi, j'ai l'impression que oui, il est sincère, Youssef, envers toi. N'hésite pas à être dans la communication. J'ai l'impression que parfois, il n'ose pas te dire les choses, peut-être. Ce sera à toi de faire les démarches pour lui parler. Ouais, c'est retombé plusieurs fois la communication, Safa. Mais il est sincère. Merci, Teddy, pour la rose. L'avenir nous le dira pour le petit cadeau. N'hésitez pas à me mettre votre question dans la boîte à questions si je la mets, jamais je ne la vois pas. Coucou, Von. Alors, Marina, est-ce que Thomas est mon âme sœur? Pour l'instant, on ne dit pas que c'est ton âme sœur. Il y a beaucoup de sentiments, d'accord? J'ai l'impression que vous allez rester un bon moment ensemble, mais je ne peux pas te dire actuellement, tout de suite maintenant, si c'est ton âme sœur, d'accord? Mais en tout cas, vous allez rester un bon moment ensemble, Marina. Ensuite, Amélie, du 1809, est-ce que la relation avec ma copine va mesurer éternellement? Est-ce que ça va durer? Alors, ça va durer un moment, mais je ne peux pas te dire éternellement pour le coup. Là, j'ai l'impression qu'il y aura quand même. Tu vois, il y a des cartes quand même qui sont sorties, incident, passion. Et cette carte-là n'est pas très positive dans le sens où j'ai l'impression qu'il y aura quand même une période de rupture ou quelque chose comme ça avec ta copine. Bon courage, Amélie. Alors, merci, je t'en prie, Noémie. Désolée, désolée, je suis obligée de mettre en mode muet certaines personnes parce que malheureusement, il y a trop de... J'ai dit pas de spam, s'il vous plaît, ça m'aide pas à répondre à tout le monde. Sinon, je peux pas répondre à tout le monde et... Alors. Bon, bah écoutez, je peux pas remonter plus. Je ne peux pas remonter plus. Donc je vais prendre Laetitia du 27. Merci, merci pour les petits cadeaux. Ceux qui me donnent des petits cadeaux, n'hésitez pas à mettre votre question sur la boîte à questions. Je vais regarder là. Parce que je vois pas vos questions. Laetitia 2704, quelle est l'évolution pour ma relation avec Dylan? Il y a la carte de la malhonnêteté qui ressort à Laetitia. Peut-être que Dylan n'est pas à 100% honnête avec toi. Donc il n'ose pas te dire les choses. Donc ça te chagrine un petit peu du coup. Mais tu vois, j'ai quand même la carte du voyage. C'est que ça va durer un petit moment avec lui, d'accord? Bon courage, Laetitia. Jessica du 2708, mon ex va-t-il me laisser tranquille? J'ai
J'ai l'impression que c'est compliqué, en effet, Jessica. J'ai l'impression qu'il veut pas te laisser tranquille pour le moment. Je sais pas si tu peux le bloquer ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il veut pas te laisser. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive, mais j'ai l'impression qu'il faudra que tu fasses la démarche de le bloquer quand tu peux, sur les réseaux ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai la carte du soulagement, donc ça va s'apaiser, d'accord? Avec le temps, j'ai l'impression. Bon courage, Jessica. Chris, bien sûr, tu peux poser une question. Il suffit d'être abonné. Prénom, date de naissance et question. Alors, je vais regarder dans la boîte à questions. Maj, j'ai besoin de ta date de naissance ou ton âge, s'il te plaît. Oui, je cherche les questions. Ah. Alors, du coup, j'ai Jean-Christophe, 0205. Est-ce que Marie va revenir et sera la femme de ma vie? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un retour de la part de Marie? Oula. Bon, écoute, on ne nous aide pas beaucoup. Jeu de hasard, retard. J'ai l'impression que ça va se refaire avec, Marie. J'ai l'impression qu'il y aura un retour. Tu vois, elle est bien présente dans ton tirage. Mais encore un peu de patience, Christophe. Pour l'instant, on me dit que c'est pas le moment. Ouais, tu vois, pour l'instant, on me dit que c'est pas le moment. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est pas une fin définitive avec elle. Donc, j'ai l'impression que ça va se refaire. En effet, tu vois, elle est bien présente dans ton tirage. Mais j'ai la carte du retard, donc encore un peu de patience, Christophe, Jean-Christophe. Mon courage. J'ai Océane du 0302. Va-t-on trouver un nouveau logement? Alors ça arrive, Océane, mais pas tout de suite maintenant, comme j'ai l'impression qu'il y aurait un petit retard, d'accord? J'avais pas l'impression que ce soit tout de suite. Donc il faudra que tu fasses preuve de patience, mais tu vas trouver, tu vois, la carte du contrat, elle est hyper positive, surtout pour ta question. Tu vois, j'ai le logement et j'ai l'attente, donc pas tout de suite. Ça s'annonce un petit peu compliqué pour l'instant, mais ça arrive. Bon courage! Stella du 1109, mon fils a 1 an, son avenir sera meilleur. Merci, merci pour les petits cadeaux. C'est gentil. Bon, tu es très inquiète par rapport à ton fils, Stella. Pour quelle raison? Bon, ton fils, là, il est bien prêt. C'est le succès pour ton fils, tu vois. La carte, là, avec le soleil, ça représente ton fils. Juste après, j'ai le succès. Donc, t'as pas à t'inquiéter pour ton fils, Stella. Je sais pas pour quelle raison tu t'inquiètes. Franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Mon courage, en tout cas, mais je m'inquiète pas pour lui, en tout cas. Caroline, du 1603, vais-je retrouver du travail très vite? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux retrouver du travail grâce à quelqu'un de ta famille? Parce que j'ai l'impression que tu vas trouver quelque chose, mais on va t'aider à trouver ce travail. Mais ça arrive, Caroline, pardon. Alors, j'ai Yélise du 10-09. Quelle évolution pour ma relation avec Romain? Alors, merci, merci. Bon, tu es inquiète. Merci, merci, merci beaucoup pour les petits cadeaux. Merci pour les abonnements. Bah,
Je sais pas, je pense que tu es avec lui en ce moment. On me dit juste que ça va durer. Attention à la routine, Élise, avec Romain. Mais j'ai l'impression que si tu n'es pas en couple, ça va se faire en tout cas. Merci beaucoup. Ça va se faire en tout cas si tu n'es pas en couple. Et si je suis en couple avec lui, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. D'accord, j'ai pas eu de carte négative pour toi en tout cas. Sarah du 19-10, va-t-on se remettre en couple avec Matisse? La carte de la trahison qui ressort, Sarah. J'ai l'impression que ça sera pas avec Matisse, mais il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, Sarah, d'accord? Il y a la présence d'un homme, en tout cas, qui arrive. Il est bien là, bien présent dans ton tirage, mais à mon avis, c'est pas Matisse. Sinon, ça va être trop compliqué avec Matisse, Sarah. Bon, après, tu as ton libre arbitre, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous remettre en couple. Voilà, Sarah. Oui, c'est vrai, il ose pas beaucoup, merci, je t'en prie. Alors, j'ai Léa du 15-10. M'a-t-il oublié et reviendra-t-il? Alors, j'ai pas l'impression qu'il va revenir, Léa, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression que tu vas savoir des choses. J'ai l'impression que cette relation t'a fait souffrir et lui aussi, j'ai l'impression, hein. On te dit de patienter un petit peu. On te dit de patienter un petit peu pour avoir le temps de penser tes blessures si t'as été blessé par cette relation ou quoi. Si c'est pas le cas, j'ai juste l'impression qu'il faut que tu patientes encore un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il reviendra pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il soit prêt. J'ai pas l'impression qu'il soit prêt, ton ex, du coup, je pense. Mais de toute façon, il y a des choses qui vont ressortir. Tu vois, j'ai la carte de la révélation. Il y a des choses qui vont ressortir. Océane du 0302. J'ai l'impression que je t'ai déjà répondu, Océane. Alors, n'hésite pas à me dire si je t'ai déjà répondu. Je vais quand même te tirer la carte et prendre ma première réponse, d'accord? J'ai l'impression que oui, tu vas trouver quelque chose, mais pas proche de chez toi. Rapidement, je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est compliqué cette année. Bon courage, Océane. Jessica, je t'ai déjà répondu. Yélise, je t'ai déjà répondu. Amélie aussi. Marine du 11-12. J'aimerais savoir si Maxime va me recontacter. On ne se parle plus. D'accord. Alors oui, j'ai l'impression qu'il va te recontacter, mais pas tout de suite maintenant, d'accord? Encore un peu de patience, tu vois, il y a la carte de l'attente qui est présente, donc faut que tu patientes encore un peu si tu veux un retour, mais tu vois, je pense qu'il va te recontacter, en effet. En tout cas, il est présent dans ton tirage, donc voilà Marine. Merci, je t'en prie. Il est déjà bloqué de partout, on a juste un enfant en commun, mais il est ultra toxique. D'accord. D'accord, je comprends. Très compliqué.
Donc, Christiana, n'hésite pas à me dire le travail, c'est-à-dire tu cherches un travail, tu veux changer de travail. Est-ce que vous pouvez me dire vraiment une question précise, s'il vous plaît? Pour le live, c'est plus simple. J'ai 17 ans, ça marche pas. Non, je suis désolée, pas de mineur sur les lives cartomancie et même en général. Même ma petite sœur de 15 ans, je ne lui fais pas. Je ne lui tire pas les cartes. Ensuite. Bonjour, comment ça se passe ici? Bah, il suffit d'être abonné et de poser et de. J'ai besoin de ton prénom, date de naissance et questions précises, c'est tout. Bienvenue en tout cas. Bonjour Jennifer du 2704, Ricardo, un abonné. Alors. Ça va être très. J'ai l'impression que vous allez être ensemble si c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression que ça va être très chaotique avec Ricardo. Hein. Ça a beaucoup de disputes, etc. Je sais pas si vous avez deux caractères forts, mais. Ouais, j'ai l'impression que ce sera très. Oula. En tout cas, c'est ce que dit le tirage. Marie du 0807, est-ce que mon mari va sortir de prison? La carte du procès, il est bien présent dans ton tirage. Tricherie. Bon, il y a des choses qui vont ressortir dans tous les cas. Marie, moi j'ai l'impression qu'il va sortir de prison, mais alors attends. Moi j'ai l'impression, mais j'ai pas la période pour l'instant, Marie, d'accord? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir. Tu vois, il y a encore le procès qui ressort. Il y a le succès, donc j'ai l'impression que c'est plutôt positif à ce niveau-là, Marie. Bon, encore une fois, il est bien présent, ton chéri, sur le tirage. Merci beaucoup. N'hésite pas, Mar. J'ai pas eu le temps de lire. Merci, merci, Hélène, à mettre votre question dans la boîte à questions pour que je puisse la voir rapidement. Ne mettez pas les questions dans la boîte à questions si je vous le dis pas, s'il vous plaît. Alors, Mage du 2808 et Youssef. Alors. Ça a été compliqué avec Youssef, ou c'est compliqué, puisqu'il y a une séparation. Merci, merci, merci beaucoup. Tout cas, on te dit de patienter parce que la finalité est positive avec lui. Tu vas avoir des nouvelles si c'est pas le cas. Voilà, il y a la carte de l'attente, la maison, c'est forcément positif. Pour moi, bah, ça a été compliqué, mais ça tend vers le positif, Mage. Bon courage. Laurent, j'ai 72, ma vie va s'améliorer. Alors. Laurent, 72. Ouais, évidemment, j'ai des cartes quand même qui. Il y a une personne, une femme qui est bien présente. Je sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est très compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Tu vas peut-être avoir le retour d'une dame ou les nouvelles d'une dame. On te dit de patienter, Laurent, d'accord? Je sais que c'est compliqué en ce moment. Voilà, tu vois, il y a le succès qui ressort. Sache que tu n'es jamais seule. Ouais. D'accord, j'espère que tu vois ton tirage, mais on te dit de patienter encore un petit peu, les choses vont s'améliorer, tu vois, il y a le succès qui est ressorti. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir, des vérités qui vont ressortir dans ta vie. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un peut-être, d'une femme. Je sais pas si ça te parle, Laurent. Alors.
j'ai Lisa du 15-11, Hugo, est-ce que ça va s'arranger? Alors. Il y a des disputes, j'ai l'impression que c'est... Oula. Écoute, ça va s'arranger, Lisa, d'accord? Ça va évoluer positivement, mais là, j'ai l'impression que c'est la période qui est compliquée. Peut-être faudra-t-il... tu vois, j'ai l'obstacle. Peut-être faudra-t-il prendre du recul sur la situation? Ouais. J'ai plein de cartes qui me disent que là, pour l'instant, c'est compliqué. Ça te fatigue, hein, Lisa. J'ai la carte quand même célébrité qui est positive. Donc ça va aller, mais il faut prendre du recul sur la situation. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Marge, je n'ai pas vu ta question. Je ne sais pas si tu dois la reformuler. Je ne sais pas si tu me l'as mis dans la boîte à questions. Si Marine. Marine du 13-05, est-ce que mon ex va revenir? Pour l'instant, on ne peut pas me donner la réponse. Je pense que rien n'est fait encore. Hein. On ne veut pas me donner la réponse. Alors, attends. Ah, quand même une carte qui ressort. Non, on ne parle pas de ça. Ok, tu es attaché à cette personne. J'ai la solitude qui ressort. Bon. Écoute, ça peut remarcher, vous pouvez vous remettre ensemble, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt, en tout cas, ton ex, à revenir. D'accord, il est bien présent, toi aussi, sur le tirage, tu es bien présente. Mais pour l'instant, c'est mieux d'être éloigné, d'accord? Pour prendre du recul, comme tout à l'heure, pour. Je sais plus pour qui, mais prendre du recul sur la situation. J'ai l'impression qu'il n'est pas prêt à revenir pour l'instant. Bon, désolé Marine, ça ne marche pas quand tu es mineure. Ensuite, je vais descendre parce que je ne peux plus remonter. Bon, je pense que je vais refaire la feuille parce que je pense qu'on voit pas bien ma feuille. Merci, je t'en prie, Laetitia. Laurine du 19-11, est-ce que je vais me remettre avec Thomas, mon ex? D'accord. Donc c'était Laurine du 19-11. Écoute, pour l'instant, merci pour les j'aime. Et pour les abonnements, alors, bon, il est là. Alors, Thomas, pour l'instant, on ne veut pas me donner là. Bah, écoute, j'ai l'impression que ça peut se faire, en effet. À savoir si pour toi, c'est la bonne chose, d'accord? Ça peut se faire, mais... Oula. Parfois, je ne vous montre pas bien les cartes. Ça peut se faire, mais... Tu vois, j'ai la carte de la célébrité, mais à savoir si c'est la bonne chose pour toi, Laurine, d'accord? Ouais, parce que j'ai l'impression que ça... Il y a eu un peu de tristesse, hein. Amélie, je peux être modo. Pourquoi pas, en effet, Amélie? Ensuite, alors Amélie, je ne sais pas si tu es toujours là.
Je vais te suivre. Je ne peux pas. Et bon, j'attends que tu me dises si t'es toujours ok, Amélie, d'accord? Parce que la dernière fois, j'ai sauté sur l'occasion avec Anso. Agathe du 2704, j'aime beaucoup ton prénom, Agathe. J'aimerais connaître l'avenir de mon couple. J'espère que tu es toujours là. Je crois que oui. Alors, comme tu peux le voir, il y aura peut-être un éloignement. Une des choses que tu vas savoir. J'ai l'impression que des fois, bon, il est bien présent dans ton tirage, ton chéri Agathe, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, souvent. Mais j'ai l'impression que ça va durer, tu vois, j'ai la carte du contrat qui est tombée, là, donc pour moi, pas de souci là-dessus, ça va durer. Hein. Ensuite... alors, Lynn du 1902, vais-je enfin être heureuse? Je mets du temps parce que j'essaie de remonter, mais tellement il y a de doublons, j'arrive pas à voir les personnes. C'est ça le problème. Est-ce que tu dois t'éloigner de certaines personnes? Je n'ai plus ton prénom, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui te chiffonnent aujourd'hui. Trop dans le passé. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses. Vous voyez, un jeune homme qui est bien présent, je ne sais pas si ça te parle. Tu te mets des barrières en fait. Tu vas peut-être le rencontrer à une fête. Tu es bien présente aussi. Il n'y a pas de. J'ai pas d'inquiétude pour toi, moi, dans ta vie. Donc je ne sais pas pourquoi tu te mets des barrières comme ça. Parce que tu vas être heureuse en fait, d'accord? Ça arrive. Il faut que tu sois dans l'avenir et dans le moment présent parce qu'en tout cas, c'est du positif qui arrive. Donc je prends au hasard, je vais encore prendre 2-3 personnes. Noyana. A-t-il des sentiments, s'il vous plaît, du 2403? Alors. En tout cas, il est bien présent dans ton tirage. Je crois que c'est... J'ai plus ton prénom parce que la discussion est descendue. Mais bien présent dans ton tirage. Apparemment, tu te sens seule parfois. Mais je pense qu'il a des sentiments. Hein. Ouais, ça t'inquiète. Ouais. En tout cas, ça va durer un petit moment, d'accord? Je pense qu'il a des sentiments. C'est juste, encore une fois, c'est quelqu'un qui voit pas l'amour de la même façon que toi, mais il n'y a pas de négatif dans ton tirage. Je vais descendre un peu. Merci, je t'en prie. Alors, merci, je sais pas si c'est Anso qui est là pour m'aider. J'ai pas eu le temps de voir. Merci beaucoup pour le tirage. Je t'en prie, Agathe. Alors, comme il y a trop de doublons, je vais prendre une dernière personne et ensuite je vais devoir y aller. Je vais prendre totalement au hasard dans la boîte à questions.
Même dans la boîte à questions, il y a des doux. Comment je fais, moi, après, pour m'en sortir? Bon. Bon, je vais prendre Sandrine du 23-09, retour de mon mari Christophe. J'ai pas l'impression qu'il y aura un retour. Ça fait partie de ton passé, malheureusement, Sandrine. J'ai pas l'impression qu'il va revenir, Christophe, tu vois, d'après tes cartes. Je sais que tu, apparemment, tu te sens seule, tu es bien présente. Sache que tu vas avoir le. Il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans ton tirage. D'accord? Peut-être que tu vas faire la rencontre de quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que ce soit Christophe. Bon courage, Sandrine. Donc, s'il y a un modo présent, est-ce qu'on peut me dire s'il y a quelqu'un que j'ai oublié? Quelqu'un qui m'a donné un petit cadeau que j'ai oublié? Tu es super. Merci beaucoup, Christelle. C'est très gentil. Non, pas vu. D'accord. Bah, merci, Anso. Merci à tous. Malheureusement, je vais devoir y aller. Je sais que c'est des lives courts, mais je fais ce que je peux. Alors, merci à tous. Je reviens tout à l'heure ou dans la soirée. N'hésitez pas, si vous voulez un tirage personnalisé, à vous rendre sur mon site alune.fr. Le lien est dans ma bio. Merci, merci, princesse. Désolée, je vais devoir y aller. Je suis désolée. Moi, je peux pas donner de cadeau. Je sais. Mais ne t'inquiète pas, je vais revenir, je referai d'autres lives. Merci à tous. Dans l'après-midi, Christelle. Et après, dans la soirée. De toute façon, je fais des lives régulièrement. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez un tirage personnalisé sur mon site. J'espère que je serai là. J'espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup pour votre gentillesse. À bientôt.